Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage aujourd'hui. Alors j'ai terminé aujourd'hui mon coloriage d'Emmanuel Collin. Ça y est, je le trouve superbe. J'ai beaucoup aimé le faire. Voilà, j'ai terminé aujourd'hui donc avec mes crayons Castel Art Supply. J'ai fait les fleurs aujourd'hui, donc ce qu'il y avait sur la tête. Alors, j'ai choisi de ne pas faire de fond. Voilà, j'ai laissé mon dessin tel quel. Je trouvais que ça se suffisait, voilà, qu'il n'y avait pas besoin de fond. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas besoin de fond pour ce dessin. Il était très bien comme ça. Donc, voilà, moi j'ai aimé le faire comme ça. Il y a des fois, bon, des dessins où je veux qu'il y ait un fond, il y en a que je veux pas, ça dépend. Là, bon, pour celui-là, il est terminé. Le prochain que je ferai, je ne sais pas si je vais le prendre dans un de mes livres ou si je vais reprendre un d'Emmanuel Collin, je verrai. Je vais voir ce que je ferai. Vous aurez la surprise, du coup. Sinon... Si vous avez des questions ben sur ce coloriage, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous ai mis en barre d'infos les crayons que j'ai utilisés pour faire cette partie du coloriage. Donc, ils sont mis dans l'ordre que j'ai utilisé. À un moment, vous verrez, j'utilise un crayon blanc. Alors, le crayon blanc, c'est pour estomper mes couleurs. C'est pas pour y mettre du blanc, c'est pour lisser mes couleurs. Donc, voilà à quoi me sert le crayon blanc. Et là, je n'ai pas utilisé, donc sur ce dessin également, je n'ai pas utilisé d'essence. Je voulais le laisser tel quel également. Voilà, donc je voulais le faire assez simple. Et bon, moi, je le trouve très joli comme ça. Voilà, donc j'attends vos commentaires en dessous de la vidéo pour avoir votre avis, voir ce que vous en pensez. J'espère qu'il va vous plaire. Et maintenant, je vais vous laisser visionner la vidéo. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bon bisous.